En tout cas, elle est grave stylée. Dekiagari ka. Tsui ni Cell wa 18 gō o kyūshū shite kanzen taiye to natta. 18 gō o kyūshū sare, Krillin wa ikari no kobushi o Cell ni mukeru ga. Ah, il est mort là. Atomikina chikara de kaeri uchi ni atte shimau. Trunks ga azukatte ita senzu de 1 mei o toritometa Krillin wa poursuivre l'entraînement acharné d'un sabre de l'esprit du temps. De l'esprit et du temps. Grâce à un entraînement CDR, Son Gohan parvient enfin à maîtriser la transformation Super Saiyan, mais son exténuante quête de puissance est loin d'être terminée. わ。おめえは俺の考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力を出し切れてねえだけだ。そろそろ。 修行の仕上げに減ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。ごはん、今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。 でも、お父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるには、まだまだ時間が必要そうだね。僕は、やっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるって、どうやれば考えがつかない。それについては、考えがあるんだ。ま、そのために今のオラたちがやれることは、 スーパーサイヤ人にしっかりなれるってことだな。スーパーサイヤ人になれる。ああ、これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行から やり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。うん、うん、はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に 自らブブ隊を作り上げた。その後、テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に。 孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃ、せこいリングだ。<笑>そいつが完全体か。そういうことだ。 試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。Un petit coucou à Cell, tranquille, au calme. あそこまで強くなっていったかな。 どうでしたか、悟空さん。
正直あそこまですごくな。Alors, on vient de finir de gagner les techniques. On va aller voir. Ah non, 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 non. Je me souviens qu'il y a des quêtes secondaires. Attendez. Là, on va faire les quêtes secondaires. J'espère que ça va pas être trop long. Il y en a 4, les gars. J'espère qu'il y en a au moins 3 sur 4, c'est du combat. Comme ça, au moins, c'est rapide et c'est net, précis. C'est hyper important. Je le répéterai jamais assez. Alors, c'est juste là. Évidemment. Hey, Baba! Un instant, serais-toi, Sangoku? Ouais, je sais que j'ai l'air un peu différent, mais c'est bien moi, Sangoku. Tu as deviné super vite. Oh, ce n'est pas tout. Je sais même pourquoi tu es ici. Vraiment? Tu vas me demander de te trouver quelqu'un de puissant à combattre, c'est ça? 136 000 d'XP, bah je fais. Hein. Entre les mondes. Alors qu'est-ce qu'elle me demandait? Comment tu le sais? Tu peux aussi lire les pensées? Je n'ai pas besoin de lire tes pensées pour savoir ça. Vraiment? Alors tu peux me dire s'il y a quelqu'un de fort dans les parages? Tu as de l'argent sur toi? Ok, très bien. C'est pas comme si je pouvais me permettre de te le refuser et je te l'offrirai gratuitement pour cette fois. Je n'arrive pas à y croire. La plupart des gens dépensent une fortune pour s'attacher à mes services. Quelle chance il a, Sangoku. Voyons voir. Ah oui, vas-y, voilà. Tu trouveras les adversaires que tu cherches ici. Ok, génial. Merci mille fois, Baba. Attends, ces adversaires sont puissants, mais ce sont probablement des malfaiteurs. Les voyous de cet acabit ont probablement une prime sur leur tête. Si tu t'occupes de leur cas, n'oublie pas de me le dire. Je prendrai la récompense en guise de paiement. Bon, donc ce n'était pas gratuit. Pas si gratuit que ça, après tout. Mes services ne sont jamais gratuits. Bon, j'y vais alors. Merci. Mince, c'est pas le bon bouton. Alors c'est où? Ok. Bon, on va aller voir ici. Hein. De toute façon, à un moment donné, on tombera dessus. Hein, sur les malfrats. Alors, c'est ici. Encore Pilaf? Le nouveau robot de Pilaf est enfin terminé. C'est comme si Sangoku était mort. En tout cas, il le serait si je pouvais trouver la capsule. Nos excuses, empereur Pilaf. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait l'avoir laissé? En fait, c'est peut-être pour le mieux, non? Maintenant que Sangoku est un adulte, il est beaucoup plus fort qu'avant. Nous n'avons pas la moindre chance contre lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois pas en l'absence du robot de Pilaf? Veuillez m'excuser, monsieur. Fermez votre capelet et trouvez-moi la capsule. Une fois qu'on aura trouvé la capsule, je terrasserai Sangoku, je récupérerai les Dragon Ball et je prendrai enfin le contrôle du monde entier. Qu'est-ce que vous ferez une fois que vous dominerez le monde? Hein? C'est vrai, alors d'abord, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oui, empereur Pilaf, qu'est-ce que vous allez faire? La ferme, d'accord? Je ne vous le dirai pas, c'est un secret. Ouah, ça fait long, ça fait un bec, c'était pas vu les gars. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, empereur Pilaf? Ce type bizarre nous a entendu. Ce type bizarre est un peu fort de café? Vous ne trouvez pas? C'est moi les gars, c'est Sangoku. Tu mens, le Sangoku que je connais a les cheveux noirs. Tu n'es qu'un imposteur. Ah, c'est vrai, mes cheveux sont différents parce que je suis un super saiyan. Mais je suis toujours moi, promis juré. Il parle vraiment comme Sangoku? Il cherche peut-être à se donner un style un peu plus voyou. Peut-être qu'il se sentait incompris par les autres, alors il a décidé de se teindre les cheveux pour exprimer son sentiment de frustration. Je comprends que tu sois frustré, mais pourquoi se teindre les cheveux? Qu'est-ce qu'on en fait, empereur Pilaf? Il a entendu tout ce qu'on disait. Calmez-vous, il suffit de la jouer détendue et de le duper. D'accord. Alors tu vois, on a fait tomber une capsule très importante. Eh, juste pour ta gouverne, nous ne comptons pas utiliser cette capsule pour prendre le contrôle du monde, compris? Exactement. Nous n'avons aucune intention de faire quelque chose de malfaisant, tu nous crois, pas vrai? 116 000 d'XP, ok. Au moins je prends les quêtes. Je pense que ça se fera assez facilement, les gars. Attends, il y a encore un problème, non?
Ok. J'imagine que je... quoi, sérieusement, tu vas nous aider? Bah bien sûr, vous feriez la même chose pour moi. Vous avez entendu ça, on frappe l'œuf, il va nous aider. Au final, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Bande d'imbéciles, vous croyez que ce qu'il va se passer, il se... Qu'est-ce qu'il va se passer s'il met la main sur notre capsule? Faut qu'on la trouve avant lui. Oui, chef. En parlant de capsule, où est-ce qu'on l'a perdu au fait? Je sais qu'on l'avait avant... Ok. C'est par là. Ok. Ah, ok. Je me suis fait bait. Il n'existe qu'une façon de débloquer les pouvoirs latents de Sangoku et de vaincre le roi démon, l'Ultra Divine. Pour obtenir l'Ultra Divine, Sangoku et Ichirobe s'aventurent profondément dans une grotte tapie dans un labyrinthe glacé du Grand Nord. Après avoir terminé l'épreuve des ténèbres, Sangoku a enfin la possibilité de boire l'Ultra Divine. Cependant, l'eau se révèle être un poison qui ne rendra son buveur plus fort que s'il résiste à ses effets puissants. D'accord. Je savais pas qu'il avait bu comme ça, Sangoku. Alors... c'était où déjà? Attends, derrière moi. Et ici... Ah. Non. Ah, tiens, c'est quoi ça? Capsule robot pilaf, bah voilà. Hey, tu as trouvé notre capsule? Oui. Est-ce que c'est la capsule que vous cherchez, les gars? Ah oui, c'est ça, on prend Pilaf, regardez, c'est notre capsule pour le nouveau robot Pilaf. Super. C'était rapide, tranquille. Si toutes les quêtes sont comme ça, moi je veux bien. Hein. Content de voir que vous avez ce dont vous aviez besoin, les gars. Très bien, je file. Merci énormément, tu nous as vraiment beaucoup aidés. Attends un instant. Hein? C'est besoin d'autre chose? Tu es demeuré ou quoi? Tu as mordu à l'absent et tu as tout avalé. À l'intérieur de cette capsule se trouve l'arme ultime nécessaire pour te détruire, enfin! Ultime quoi déjà? Ce sont des robots ultra puissants. Un instant, tu veux dire que dans ce truc, il y a des choses super fortes que je pourrais combattre? Mais alors qu'est-ce que t'attends? Bon, et maintenant, Prof Laf, il a l'air excité à l'idée de les affronter. Il ne restera pas bien excité longtemps. Faites place au nouveau robot de Pilaf. À vous de jouer, robot Pilaf, anéantissez Sangoku. Alors là, ah, ils sont niveau 46, hein. Bon, je me suis pris une petite roquette. Rien de très grave. Ok, un moins. Deux de moins. Ils vont donner beaucoup d'XP, je pense. Hein. Pangohan, tu sais esquiver ce genre d'attaque normalement. 11 000 d'XP, c'est pas mal quand même. À notre niveau, c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal d'XP. Hein. Mais... mes robots. Waouh, c'était pas marrant du tout en fait. Empereur Pilaf, il a détruit les robots en un clin d'œil. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire maintenant. Courir. Courage, fuyons. Nous n'oublierons pas de citer. Ah, oublier quoi exactement? Alors, hop. Ça fait une quête de fête. Il ne reste que 9 jours avant le tournoi. Ah, là on voit. Ok, elle a fait la quête des combats.
C'est parti. Ah, ils sont un peu loin, mais bon. Ah, il n'y a pas de dialogue. Niveau 46. Ça, c'est pour nous préparer à la suite, à mon avis. Hein. Encore. Esquive, belle attaque. Il a bien défendu son pote. On l'enchaîne quand même. Oh, joli Sangwan. Joli. 12 000 d'XP. J'en ai encore deux à faire. En vrai, je me demande si je vais pas faire... On verra si j'ai le temps. Et sinon, dans cet épisode, on ira chercher Dragon Ball, peut-être. Attends, il y en a un juste là. Il y avait un robot là. Il devait être sur il devait filer Sangwan, je pense. Ok. Un dernier combat. Ça fera deux quêtes. Ah ah! Je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Et cette fois, il y en a un différent. Officier de Freezer. J'ai pas le temps. Boum! Allez, prends ça. Ah, j'étais pas assez loin. Bon, tu le tapes ou pas, Sangwan, là? Arrête de regarder, non? Ok. Bon, j'ai réussi à faire en tout 4 combats. Sans me hit, j'ai perdu une barre de vie. C'est marrant. J'ai envie de me battre avec quelqu'un d'autre par contre. Je devrais d'abord retourner voir Baba. Baba,
Je pense que j'ai fait un bon passing. Voilà. Donc tu l'as fait. Ouais. Mais j'ai toujours une furieuse envie de me battre. Eh bien, tu peux toujours mourir et te rendre dans l'autre monde. Là-bas, tu pourras te battre dans tout ton soul. Ah ouais, ça serait plutôt sympa. Mais la nourriture sur Terre est tellement meilleure. Et en plus, Chichi serait vraiment en colère si jamais je mourais. Donc je suis bien ici. Ça devrait se passer de commentaires, mais tu es clairement un type bizarre. J'imagine que c'est le genre de sauveur dont le monde a besoin, au final. Hop là, en plus, un petit niveau. Donc l'insigne de Baba, un petit niveau. Il reste plus que deux quêtes, on va aller au laboratoire. C'est juste à côté. Encore le petit cyborg Frankie. Frankie, est-ce que c'est toi? C'est bien toi, Frankie? Ah, qui es-tu? Eh, hey, je suis désolé, je suis en Super Saiyan. J'imagine que c'est pour ça que tu ne m'as pas reconnu. J'ai peut-être l'air un peu différent, mais c'est bien moi, Son Goku. Oh, Son Goku, ça faisait un bail qu'on ne s'était pas vu. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans un endroit pareil? Je récupère du bois de chauffage, mais d'habitude, je déblaye dans la neige. L'hiver est très rigoureux et s'aventurer dehors est assez dangereux, mais je ne crains pas le froid. C'est pour ça que je rassemble du bois de chauffage. Tu es vraiment un chic type, Frankie. Mais j'ai un genre de problème. L'ordinateur dans mon corps fait des siennes. Je pourrais récupérer davantage de bois si on le réparait. Hein? Tu as peut-être faim? Tu devrais manger un morceau. Non, ça ne m'aiderait pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Laisse-moi réfléchir. Bah, il y a Bulma, quoi. Ami pour la vie. Frankie, c'est un gentil cyborg, les gars. Je pense que Bulma devrait pouvoir. Vraiment? Je sais pas vraiment, mais je lui demanderai. Ça nous TP direct chez Bulma. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je n'ai pas toutes les données dont j'ai besoin. Je pourrais peut-être faire quelque chose si j'avais accès à certains de ces documents de données. Et là, les autres ont réussi à trouver les plans de C16, C17 et C18 dans le laboratoire de Bureau. Tu ne peux rien en faire? C8 n'a pas été construit sur une architecture humaine. Il est comme C16, mais il utilise un modèle bien plus ancien. Mais je suis un très vieux modèle de cyborg. J'imagine qu'il ne me reste qu'à aller au labo. Je trouverai peut-être quelque chose là-bas. Merci, Son Goku. Ah. Bon. Ils ont décidé qu'ils m'enverraient pas directement à la zone. Ça ressemble à un bâtard, je peux bien commencer à chercher. Ah non, bien. Là il y a un truc et là il y a un truc. Ça c'est une médaille des, non? Il est hors d'usage. Enfin, ça prendrait des mois à trouver quelque chose, je devrais peut-être m'occuper plus tard. Je pense pas pouvoir en faire grand chose. Aïe. Ah, qu'est-ce que c'est? Alerte aux intrus. Qu'est-ce que... C'est un genre de laboratoire robotique? Tu es... Je ne sais pas ce que vous êtes, mais si c'est moi que vous cherchez, vous m'avez trouvé. Nouveau type de robot.
Par contre, niveau 44. Attends, il a repris de la vie là. C'est pas normal. Faut que je défonce. Ah. Il y a pas. Ouais, il y en a pas d'autres. Ah ouais. Comment ça? Pourquoi j'étais stun? Ok, ça va. Je comprends le principe. 9000 d'XP, bot. Bon, 600 quand même. 600 orbes. Ah, le problème des robots est réglé. Qu'est-ce que c'est ce truc que j'ai ramassé récemment? Un peu brûlé, mais on dirait une pile de vieux papier. On va voir. C16, créé à l'image du docteur Gero. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a sur ces autres pages? Eh, regardez ça, c'est 8. Je ne comprends rien à tout ça, mais c'est sûrement ce qu'on recherche. Faut montrer ça au docteur Brief. Et là, ils vont me TP. Ouais. Oh, vous m'avez apporté des documents. Vous pensez pouvoir réparer Frankie avec ça? Oui, je devrais y arriver. Suivez-moi, c'est vite. Oh, ok, je reviens. Sangoku. Pas de problème. Grâce aux documents trouvés par Sangoku, C8 a été réparé avec succès. Hé, hey, regarde-toi, tu es en pleine forme, Franky. Je suis comme neuf. Le docteur Gero était un véritable génie. Il a créé des androïdes aussi impressionnants que C8 il y a près de 20 ans. Mais le docteur m'a dit que j'étais un échec. Je ne sais pas en quoi tu serais un échec. Il devrait avoir des critères spéciaux C'est quoi? Des critères spéciaux à l'aune desquels il jugeait ses créations. Je sais pas, je comprends pas. Mais je suis content d'être un échec. Ça m'a permis de devenir ami avec vous. Et moi aussi, je suis content que l'on soit amis, Frankie. Tu m'étais d'une grande aide dans la Muscle Tower. Allez, je vais t'y emmener. Ok, merci. Il n'en reste plus que 9 jours avant les Cell Games. A plus tard, Franky. Sayonara. Au revoir, Sangoku. À bientôt. Ça fait 3 quêtes, là. Niveau supérieur, Sangohan. Ça, c'est pratique. C'est très pratique. Ah, mais il n'y a pas les Dragon Ball. Je disais des bêtises tout à l'heure. Allez, dernière quête, les gars. Franchement, j'ai fait 3 quêtes en 20 minutes. C'est propre. 44. En vrai, je pourrais me faire les créatures épiques. Allez, tortue géniale, qu'est-ce que tu veux? Hey, tortue géniale, hey, Krilin. Salut. Oh, Sangoku. Salut. Sangoku, quoi de neuf? Rien de spécial, je me demandais juste si vous connaissiez pas un nouveau moyen d'amusant de s'entraîner. En fait, tu t'entraînes comment ces derniers temps, Krilin? Tu fais des livraisons de lait avec une carapace tortue sur le dos? Tu laboures les champs à main nue? Non, pas de carapace tortue pour moi. Je suis sûr que Krilin pourrait supporter une carapace de 100 kg maintenant. Oh là là, ça me rappelle de mon souvenir. S'entraîner avec toi pour le championnat du monde était vraiment génial. Oh ouais, je me demande ce que devient ce Jackie Chun qu'on avait affronté. Il était déjà plutôt vieux à l'époque, alors qui sait? Excusez-moi d'être vieux. Mais tortue géniale, on ne parlait pas de toi. Oh, c'est vrai. J'ai du mal à comprendre ou un truc comme ça. Je me rappelle aussi de notre affrontement au championnat à Sangoku. C'était un combat plutôt intense. En effet, c'était serré. Pourquoi vous ne vous battriez pas tous les deux? Tu débloques? Sangoku ferait de moi une serpillière si on se battait maintenant. Savoir qui gagne ou qui perd ne m'intéresse pas. Je veux juste voir à quel point vous avez progressé tous les deux. Alors, Sangoku, tu affronteras Krilin? Ah bah oui. Maître! Hey, ça marche. Je mourrais d'envie de l'affronter depuis un bout de temps maintenant. Très bien, allons-y. Mais essaie quand même d'y aller doucement avec moi, ok?
Ça dépendra de quel niveau. Si t'es niveau 20, oui, sinon. 43, faut pas trop te prendre à la légère. Hein. Ouais, il tape loin. Il m'a pris par surprise là. Eh ouais, mauvaise tactique. J'ai hésité quand même. J'essaye d'être gentil, mais. Ah mince. Mauvaise stratégie, Krillin. Pourtant, j'essaye. Hein. Il va plus avoir d'énergie normalement. Allez, mange-toi le sol. Ah, dommage. Ok, c'est bien passé. 150 000 d'XP. Super. Sans compter l'XP que je vais avoir là avec la quête. Ça suffira. Très impressionnant tous les deux, vous avez beaucoup progressé. Cela rend votre vieux maître heureux d'avoir des apprentis aussi doués. Vraiment, c'est le genre de chose qui te rend heureux. Bien évidemment. Alors peut-être que je devrais trouver un apprenti un de ces jours. Comme ça je pourrais l'entraîner, l'affronter le jour où il sera prêt. Tu donnes l'impression d'être plus excité à l'idée d'affronter ton apprenti qu'à celle de l'aider à progresser, sans beaucoup. En plus, quiconque devant s'entraîner sous tes ordres devrait être incroyablement fort pour tenir le rythme. Si tu prends des élèves, tu devras leur enseigner plus qu'une méthode de combat. Ils devront aussi apprendre de bonnes manières et la discipline. Un expert en arts martiaux est bien plus que le corps qu'il utilise pour combattre. Ouais, je ne suis pas super doué pour ce genre de choses. 116 000 d'XP en plus. Il y a pas mal d'autres objets. Est-ce que j'ai débloqué des trucs? Alors déjà il n'y a plus de quête secondaire, donc on va pouvoir aller à la quête principale. Mais je voudrais juste voir si j'ai pas débloqué des améliorations. Pas du tout. Ok, bon, s'il n'y a pas sur Son Goku, il n'y a pas sur Son Gohan, hein, on va pas se prendre la tête. Au cas où, si jamais. Sauvegarde. Voilà. J'aurais aimé avoir un camp de. Pour me soigner. Un feu de camp. Parce que là, il est loin. Hein. Ici, le premier feu de camp, il est très très loin. Hein. Bon, on verra. Alors Shishi, tu voulais me parler? Goku-san, shugyou-san owattan daro? Dattara tama ni wa dokka ni odekake suru be. Owatta wake ja ne kendo. Ma ikka. Nara kimari da na. Sekkaku Goku-san ga menkyo mo totta da shi, otto ni ookina kuruma demo karite, kazoku 3 nin de gohan ni demo doraibu ni iku da yo. So sukka. Nanka junbi wa iru ka? 持ってくお弁当を作りてえから、肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。D'accord. 肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ。Petite sortie en famille au calme. そうだな、欲しいのは。Viande exquise, lapin congelé, poisson géant gras. 欲しいのはこれで全部だ。よろしく。
Je me souviens que j'avais galéré pour les lapins gelés. De souvenirs, donc faut que j'aille au lac gelé. Et c'est des cristaux. De souvenirs, c'est des genres de trucs de glace qu'il y a sur la map et il faut juste les faire exploser. Genre. Ah voilà. On les voit. Genre ça. Ça, faut le faire péter. Trois lapins congelés, donc normalement c'est bon. Comment je fais pour savoir ce que j'ai à... Attendez, je vais récupérer les... Voilà, hop. Il y a des lapins congelés. Dans la chichi. Bah ça veut dire que c'est bon là. Je sais même pas. Je sais pas, j'en ai combien sur combien. D'habitude ils le mettent, mais là ils l'ont pas mis. Je sais pas si j'ai déjà tout. De toute façon, on va vite le savoir. Hein. ちの弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃ、いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。 Quelle cuisinière, cette chichi. そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発して。だな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。 みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。Ouais, faut absolument que ça soit comme elle veut, quoi. Mais bon. Il peut faire la moindre des choses, elle lui demande pas grand chose.初めて会った日に2人で均等に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。馬上線を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。 なんだ、あの時、オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。 父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ。せっかくだから、しばらく二人きりにしてあげよっと。僕ちょっと用事を思い出したから、二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え？ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ。 C'est parce qu'elle voulait, chichi. Il leur a laissé un petit moment privilégié, les gars. C'est beau. Sacré Sangohan. Ça va être papy. Hey, moshi moshi.
ですけど。あ、セビルマ。私よ、ブルマ。あのさ、ソン君いる？え？お父さんですか？お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ソン君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が届けますよ。今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、メモリット。それを持っていけばいいんですね。オッケー、ビルマ。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし、allez, on va aider Bulma. Transform Super Saiyan est désormais disponible. Ok, Loki. Il y a encore une quête secondaire là ? Oh, il y en a deux. Là-bas. Ça sera la vidéo des quêtes secondaires, les gars. Je peux pas faire mieux. Hein. À quoi tu penses, Piccolo ? Ah, Sangohan, tu tombes bien. Cherche à tester ma puissance. Et le meilleur moyen de le faire est d'affronter un Super Saiyan. Qu'en dis-tu ? Bah oui. Professeur, un jour ! Professeur, toujours ! Aucun problème, Piccolo. J'ai hâte de te combattre. C'est parti. Il m'emmène où, là ? Ouais, on va peut-être dans une zone plus adéquate pour le combat, je suppose. Genre les... Ah. Je pensais que ça serait le désert, pas la forêt. C'est pas grave. Ça change pas grand chose pour moi. Alors j'ai deux niveaux d'avance. Il rigole pas, hein. Par contre, je lui fais très mal. Il rigole pas du tout, les gars. Tu vas être obligé d'y aller sérieux. Même s'il a pas beaucoup de vie, il a l'air d'être sacrément vif d'esprit. Je me suis adapté à son style de jeu, mais ça reste... Je peux prendre cher très vite. Hein. Aïe. Ok. Allez, terminé. 376 000. Ça fait du bien. Là, il va monter 49. M'entraîner avec toi me rappelle l'époque où tu m'as formé. Tu veux dire quand ton père était mort ? Oh ouais, ça rappelle des souvenirs. Au fait, le tout premier jour, j'étais incapable de descendre de cette falaise. Mais je me souviens avoir trouvé les pommes au sol. C'est toi qui les avais apportées, pas vrai ? Certainement pas. Ah, j'aurais préféré que tu me donnes quelques boulettes de viande à la place. Sale gros gosse gâté. T'as eu de la chance d'avoir ne serait-ce que quelque chose. Ah, voilà ce qui prouve que c'était toi. Tu es malin, je le reconnais. Après tout, je suis un élève d'un membre du clan du démon. Dans ce cas, en tant que maître, laisse-moi te dire ceci. Je sais que tu as encore des réserves de puissance en toi, mais que tu ne peux y accéder pour le moment. Si tu veux battre celle et sauver le monde, tu ne dois pas te restreindre. Compris, je ferai de mon mieux. Un petit niveau là encore pour Sangohan. J'espère. Super. Une quête sur deux.
Allez, c'est parti. J'essaye vraiment de les speedrun. C'est pas forcément le plus intéressant, même si elles sont importantes. Ça ajoute un peu de piment dans l'histoire, vous voyez, mais... Ça casse dans l'immersion du jeu, quoi. Ça rajoute des éléments du lore, ça rajoute des choses. C'est pas ultra intéressant. Ah, c'est les fameux Tao Pai Pai et Maître des Grues. Notre meilleure chance, c'est ce petit avorton qu'on avait rencontré il y a des années. Il possédait beaucoup de puissance pour quelqu'un de son âge. Si ma mémoire est bonne, cette femme l'appelait Son Gohan. Je reconnais cette image. Comme c'est agaçant. Pourquoi est-ce que l'école de la tortue a autant d'élèves alors que celle de la grue n'en a aucun? Ce n'est qu'une question de temps, maintenant, avant que l'école de la grue ne soit plus qu'un souvenir. C'est vraiment la crise. Nous allons sans doute avoir besoin de recourir à la force pour obtenir des élèves. Hey, vous faites quoi tous les deux? Vous n'êtes pas encore en train de mijoter quelque chose de louche, pas vrai? Ah, mais qui es-tu? Je suis le fils de Sangoku, Sangohan. On s'est déjà rencontrés, n'essayez pas de me faire croire que vous avez oublié. Nani? Sangohan? Impossible, tu ne le ressens pas du tout. Ah, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses depuis le temps. Mais c'est bien moi. Mais assez parlé, vous mijotez quelque chose de maléfique, comme la dernière fois, pas vrai? Ce n'était que les affaires. Seulement un enfant imbécile comme toi ne pouvait pas voir ça autrement. Quoi? Attends. On n'a pas besoin de se disputer comme ça. Hein? C'était il y a bien longtemps dans le passé. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. Alors, et je veux reformer l'école de la grue. Vraiment? Mais comme tu peux le voir, l'école de la grue n'a plus d'adeptes. J'ai travaillé tellement dur pour changer que plus personne ne veut la rejoindre. Que t'est-il arrivé d'un seul coup? Ouclela, si nous comptons revitaliser l'école de la grue, nous aurons besoin de puissance. Et ce gosse est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Oh, je vois. Et voilà toute l'histoire. Alors accepterais-tu de porter le nom de l'école de la grue? Je te dispenserai des frais d'inscription pour cette fois. Et je t'offrirai un assassinat gratuit en plus de tout ça. Vas-tu au moins écouter ce que nous avons à dire? Allez. Repérage de l'école de la grue. C'est parti. Je vous écoute, mais je promets absolument rien. Mon école de la grue adorée est sur le point de s'effondrer. Même les élèves que j'ai entraînés avec tendresse, Tenshinhan et Shaozu m'ont abandonné et ne comptent pas revenir. Et ce qui est pire encore, c'est que l'école de la tortue récupère tous les élèves prometteurs, comme toi. En fait, je suis même pas élève de la tortue... C'est pourquoi j'ai décidé de tourner la page, d'entraîner un nouveau groupe d'élèves, sérieusement. Exactement ce qu'il vient de dire. Ah oui? Il a l'air affreusement suspect. Bon sang, ça ne nous laisse pas d'autre choix alors. Très bien, laisse-moi juste te prouver à quel point je suis sérieux. Je fais beaucoup d'efforts pour me procurer ce que ton maître Tortue Génial et tous ses élèves aiment le plus au monde. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça! Une collection photographique de femmes? Oui, c'est le tout dernier volume en plus. Je viens juste de l'acheter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu obtiendras celui-ci et bien d'autres si tu rejoins l'école de la grue. En fait, je préfère une encyclopédie sur la botanique. Hein? Tu es fou! Tu n'aimes pas ces jolies courbes? Tous les élèves de l'école de la tortue ont les mêmes centres d'intérêt que Tortue Géniale, non? Pas un seul de ces élèves n'est comme lui. Prends mon père par exemple, ce genre de truc ne l'intéresse pas. En plus, comme j'essayais de te le dire avant, je ne suis pas un élève de l'école de la tortue. Alors tu ne veux pas rejoindre l'école de la grue? Oh, Pai Pai, prépare la machine. On va devoir utiliser la force après tout. Oh, on aura dû simplement commencer par là. Ok. Oh, ils sont bizarres ceux-là. Ils sonnent de terreur devant la super machine Tao Pai Pai. Vous êtes sans espoir les gars. C'est au niveau combien? 48. Ouh. Mince, pas une bonne nouvelle. Oh ça va, j'ai esquivé. Une de moins. C'est parti, dernier. Ah, j'ai pensé avoir esquivé. Dommage. Ça fait pas assez de dégâts. Ok, super. 12 000 d'XP.
Allez. Non, pas encore. Non. Je vais ne pas te faire exploser encore une fois. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à notre machine? Malédiction, j'ai échoué à t'éloigner de ton école de la tortue, chérie. Écoute, je ne sais pas combien de fois je vais devoir te le dire, mais je n'appartiens pas à l'école de la tortue. Quoi? Alors, tu appartiens à quelle école dans ce cas? Eh bien, en fait, c'est celle de Monsieur Piccolo. Créla et mon père qui m'ont appris à me battre. Donc j'imagine que je n'appartiens à aucune école, en fait. C'est absurde. Le gosse a raison. Hein? Tortue géniale? Sun Guan est le visage d'un nouvel âge des arts martiaux, libre de tous les dogmes d'une certaine école de pensée. Il a plusieurs maîtres et aucun d'entre eux n'est obsédé par l'idée de perpétuer ses enseignements. Ses maîtres lui ont appris ce qu'il sait uniquement parce qu'il voulait le voir réussir. C'est comme ça qu'on fait les choses désormais. Bon sang. Voilà qui règle le problème. C'est une bonne chose que Tortue Géniale soit apparue. Super. En fait, qu'est-ce que tu fais ici, Tortue Géniale? Oh, rien, juste une petite affaire personnelle. Je n'arrive pas à le croire, j'ai perdu tout ce temps et tout cet argent pour ce livre stupide. Justement, à ce propos. Le livre que tu as montré à Sangwan tout à l'heure, étant donné que tu n'en as pas besoin, peut-être que je pourrais t'en débarrasser. Quoi? Eh bien, tu vois, je voulais acheter ce volume, mais apparemment, tu as acheté le dernier. Je me suis dit que je pourrais te retrouver et te convaincre de me le donner. Ah ouais, et tu as dit que tu donnerais ces livres aux élèves de l'école de la grue, pas vrai? J'imagine que dans ce cas, ça veut dire que je vais rejoindre l'école de la grue. Moi vivant, jamais! Je ne veux pas qu'un vieux schnock pervers comme toi pour élève. Tu peux parler, et c'est toi qui as acheté le magazine pour commencer. Au moins, je n'ai pas pour ça chassé la personne qui a acheté ce livre comme une petite vermine pathétique. Bon, puisque je suis là maintenant, tu pourrais au moins me laisser y jeter un coup d'œil. C'est hors de question. Tu n'es qu'un vieux schnock incroyablement égoïste. Je préfère être un égoïste qu'un pervers. Je suis pas mieux d'y aller. Cette discussion à propos d'un livre sur les formes des femmes. N'importe quoi. Ok, donc il n'y a rien d'autre à faire. C'est parti. C'est pas là en fait. Ah oui, c'est vrai, il fallait trouver les matériaux pour Bulma. Bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vont être en hauteur. J'aurais pas pété quoi que ce soit. Ah! Mémorite, parfait. Ah, il m'en faut 3 par contre. D'accord, 3. Comment je vais m'en sortir? 3, c'est beaucoup. Là, il y a une. Ok. Oh là. Le gars, lâchez-moi un peu, non? Bon. Ça va faire de l'XP, mais je préférerais être tranquille. Alors, toi. Enfin, 1 contre 4, là, c'est pas évident. Allez. Voilà. Je vais peut-être pouvoir être tranquille. On va trouver une là. Putain, mais il y a trop d'ennemis là.
D'habitude on n'en trouve pas et là, on, là ils sont tous... Au bout d'un moment ils vont disparaître de toute façon. Allez. Non mais c'est abusé, ça met combien de temps? On peut pas chercher les objets s'ils sont tout le temps à mes trousses. Après, je peux péter les rochers aussi, hein. Si jamais. Ah mais je suis pas du tout dans la zone. Hein. La zone elle est là. Je vais péter les rochers si jamais ça met trop de temps. On peut pas le casser. Bah ça règle le souci. Hein. Comment ça se fait que j'y trouve pas? Normalement il devrait apparaître de ouf. Ah il y en a une là. Les deux. Je pense pas qu'elle soit au même endroit. Non. Laisse-moi tranquille. Alors. Est-ce qu'il y en a un deuxième ici? Ah, la dernière, elle est là. Évidemment, ça passe au niveau du courant d'air. Voilà. Direction ville ouest. Donc on va voir Bulmar. Ville ouest ou capsule? Je sais pas trop. Capsule Corporation made totokenaito. Parti. Oula oula, stop stop. Vous savez quoi? Hop. Alors, Bulma, c'est parti. Bulma-san, bonjour Bulma. C'est bien, hein? Mémorie, t'as été donné. それそれ. Jodekio, arigato. Ato wa kore o tsukatte chip o tsukureba. De. Chotto. Sono sugata wa nani yo? Hontou ni Gohan-kun nano? Ha. Hai. Ano, kono sugata ni wa jijou ga atte. Jijou tte nani ga attara sonna? Après, au niveau des cheveux, quand même, Son Gohan en Super Saiyan 1, il a vraiment une dégaine chelou quand même. J'ai toujours trouvé sa coupe un peu bizarre, mais bon. ごはんくん。どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だと思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ。いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね。わかりました。
Évidemment, Sangohan, c'est une perle, les gars, c'est un mec en or. Un mec en or. Toujours là pour aider les autres. いや、できた、できた。うまくいったんですね。うん。ここまではね。ゴハン君が持ってきた功績がうまく適用したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さて、あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。 Et quoi? Vas-y, dis. Yoshi, bougez-toi, hein? Anta, namae wa ieru? Nawa, 16 mo. Jinzo ningen 16 mo da. So ka. Ore wa Krillin ni tsurete kite moratta. 修理してもらうために。オッケー。記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。パーフェ。やった。やりましたね。お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう。礼を言う。何？別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。Merci Sangohan. こんにちは。孫悟飯。俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと、孫君の息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう。そういうのはあっさりしてんのね。ババアシセクヨ孫悟空。じっと見つめて。なんだ。 博士。なんだね。この体。どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。バストンラウカル。まあ、構わんが。孫悟飯。お前も来てくれるか。アベクプレジア。もしもの時に備えてな。え。は。悪いけど行ってくれる?まだ動き出したばっかりだし。 一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わ、わかりました。さすがにやがに、ん、ピサンス、きせん。俺は先に行く。森で会おう。ごはんくん、よろしく頼むわね。は、はい。もうパテペ、cette fois。Bon, je vais le faire avec la vie actuelle que j'ai. Allez. Petit baston contre ces 16. Pourquoi au milieu des arbres là? うん。悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あの、あ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 、
俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているとな。だが勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない。ouais dit comme ça c'est vrai que ça paraît être évident mais c'est pas cool quand même hein. そんな俺はquoi qu'est-ce que vous foutez là vous こんなとこに集まってやがったか。C'est encore des braconniers ? そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ。動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい。あんな奴らやっつけてやる。Et allez go. 44 wow.Je vais les fumer. Hein. Ah, ils ont bien timé les deux robots là. T'as, dans les bois aussi là, c'est pas terrible. Hein.Allez, j'y suis allé tranquille. Là, j'ai 5 niveaux d'avance, donc forcément, je les déboîte. Non, Yattana. Hi. Son Gohan. Dobus tachi o mamotte kurete arigato. Sore ni.俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら。昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか。いわさ comme ça c'est ça 僕よりお父さんの方が。お前も俺と似たものを感じる。えさあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる。どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ、密猟者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえそんなことを。そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。はっ、はあ。Cette soirée pyjama chez Bulma, les gars. J'aimais bien le son de Gohan. ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さ、うらやましいんでねえべか。うらやましいっちゃうらやましいけど、
オラには父の飯があっからな。やっぱオラ、父の飯が一番うめえと思うぞ。そうだか？お世辞でもそうまっすぐ言われるとて照れてしまうだよ。Elle est vraiment amoureuse. Ah, je trouve que c'est des petits moments mignons, les gars, vous voyez. Son Goku, il se rend pas compte, mais naturellement, il fait les choses bien, quoi. セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。Ah oui, là ils ont aucune chance. Ils envoient des tanks, des rafales, des avions de chasse et tout. Et celle il tout détruit tout. 無駄に命を。ちくしょう。父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。悟空さん。言っちまっただ。ピッコロに用事ってなんだべ。さあ。はい。あ、またいろいろパレディヴァン、ピッコロ。よ。そうか。一体どうした？ピッコロ、おめえってまた。神様と合体する命みてえに二人に戻れねえのか？何？ほれ、神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろ。なんとかドラゴンボールを復活させてセルに殺されたたくさんの人間を生き返らせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか、やっぱダメか。そうだよな。うん。あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、神様も復活、そんでドラゴンボールも復活だな。おお、franchement, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Goku wa Kaiou sama no tasuke o kari, arata ni Namek seijin tachi ga ijuu shita hoshi no basho o sagashi ateta. Arata na Namek sei e shunkan idou shita Goku o matte ita no wa jibun tachi o sukutta eiyuu toshite kangei suru Namek seijin tachi. Tu m'étonnes.悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とはデンデー。デンデー、お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ、すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。とはへへ、こいつが新しい地球の神様だ。あ、レゴトコバイ。本当にデンデなのか？久しぶりだな。なあ、おい、信じられるか？こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶりです。ねえ。神様になってくれるって本当なの？はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか？新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが、でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ三つなのか？はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのか？そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが
Shenron il va se prendre des tournevis et tout pour être petit coup de tournevis là entre deux écailles et c'est bon, on peut ressusciter tout le monde. Ah ouais, c'est rapide. よし。じゃあ、オーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん。おめえも特訓いいから、セルゲームまでここで出んでて遊んでやれ。え？でも、いいからいいから、心配すんなって。 じゃあな。 Attends, je dois vraiment aller chercher Dragon Ball là. Ah, il y a une quête secondaire. Il y a une Dragon Ball là-bas. Ok. Je vois à peu près ce que je vais faire. On va faire en bas vers la droite. On remonte, on redescend au milieu. Et on arrive, on fait on sera sur la map de la dernière Dragon Ball au moment où on va pouvoir faire la quête secondaire. Pas plus simple. C'est bien, il y a un petit feu de camp là. Donc on va pouvoir aussi se heal. Elle est où? Elle est en haut. Mince, j'ai pas pris le bon truc. Ce que je veux, c'est la Dragon Ball. Elle est là. Et de une. Dragon Ball. たた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 た
Avec un peu de chance, on va tomber sur la dernière, ça sera la 4 étoiles. Référence au grand-père de Sangoku. Est-ce que le hasard va faire bien les choses? Nous le saurons bientôt. Hop, la troisième. Hop. Et non, malheureusement. Et on arrive sur celle-là. De toute façon, on peut pas continuer sans les Dragon Ball, je crois. Hein. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, je sais pas. Ça me paraît très évident. Ah mais attendez, la Dragon Ball elle est là. Et voilà. J'espère qu'on va faire ça sans avoir recours à Dragon Ball, mais celle est bien trop forte ça. Ah non, je vais pas pouvoir faire la quête secondaire. Ok.